Bonjour les élèves de Valeur Absolue. Cette vidéo est destinée aux élèves de 9e année. Pilote, c'est une correction d'exercice sur la réaction chimique et l'équilibre des équations chimiques. L'énoncé de cet exercice soit l'équation de réaction chimique suivante qui symbolise la combustion complète de méthane. CH4 plus O2, donc CO2 plus H2O. Équilibrer cette équation, schématiser la combustion du méthane à l'aide du modèle moléculaire et déterminer à partir de cette équation les produits et les réactifs de la réaction de combustion de méthane. Complétez le tableau suivant en donnant le nom de chaque molécule, l'atomicité et la nature du corps pur et de calculer la masse de chaque molécule en donnant la masse d'un atome d'hydrogène égale 0,17 fois 10 exposant moins 26 kg, la masse d'atome d'oxygène 2,66 fois 10 exposant moins 26 kg et la masse d'atome de carbone égale à 2 fois 10 exposant moins 26 kg. Passons à la correction. Équilibrer cette équation. Commençons tout d'abord par l'atome de carbone. On a un seul atome de carbone dans les réactifs et aussi on a un seul atome dans les produits. Donc, on passe à l'atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, on a 4 dans les réactifs et 2 dans les produits. Donc, il faut équilibrer cet atome. Il faut multiplier cet atome ou bien la molécule de H2O fois 2 pour qu'il devienne 4 hydrogènes. Donc, on a 2H2O. 2 fois 2, 2 fois 2 égale 4. On a ici 4 atomes d'hydrogène et ici 4 atomes d'hydrogène. Passons à l'atome d'oxygène dans les réactifs. On a 2 atomes d'oxygène. Pour les produits, on a 2 atomes d'oxygène et aussi on a 2 autres atomes d'oxygène, donc 2 plus 2 égale à 4. Dans les produits, on a 4 atomes d'oxygène et les réactifs, on a seulement 2. Donc, il faut multiplier par 2. Donc, on a 2 O2. On a seul atome de carbone dans les réactifs et les produits, 4. Hydrogène dans les réactifs aussi, on a 4 hydrogènes dans les produits. On a 4 oxygènes dans les réactifs et on a aussi 4 oxygènes dans les produits. Donc, notre équation chimique est équilibrée. Passons aux deuxièmes questions. Schématiser la combustion du méthane à l'aide des modèles moléculaires. On sait que pour le carbone est présenté par ou bien symbolisé par une boule noire et l'hydrogène par une boule blanche. Pour l'oxygène, on a une boule rouge. Donc, CH4, on a un atome de carbone qui est en noir et 4 en hydrogène qui sont en blanc. On a 2 O2. 2 O2. Donc, O2, c'est 2 boules rouges. 2 fois, on a on présente 2 autres boules rouges. Donc, CO2, l'atome de carbone présenté en noir, et l'atome
d'oxygène en rouge comme d'habitude. Et plus 2 H2O. Donc on a deux molécules de H2O. La molécule d'oxygène en rouge et l'hydrogène. On ne dit pas la molécule d'oxygène. L'atome d'oxygène est en rouge et l'hydrogène en blanc. Puisqu'on a deux molécules, on a deux aussi molécules de H2O. Déterminer à partir de cette équation les produits et les réactifs de la réaction de combustion de méthane. Comme produit, on est dans ce côté. Donc, on a les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Et pour les réactifs, on a méthane et le dioxygène. La question suivante. Donner le nom de la molécule pour chaque composé. CH4, c'est le méthane. O2, c'est le dioxygène. CO2, dioxyde de carbone. H2O, c'est l'eau. L'atomicité, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans chaque molécule. Pour le méthane, on a 4 atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone. Donc, on a 5 atomes. Pour l'oxygène, on a 2 atomes. Et pour CO2, on a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. 2 plus 1 égale 3. Et pour H2O, on a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. 3. Nature du corps pur. CH4, il est composé de deux différents types d'atomes. On a l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Donc, c'est un corps pur composé. Et pour le dioxygène, on a deux atomes d'oxygène, donc de même type. Donc, c'est un corps pur simple. Et pour le dioxyde de carbone, on a deux types d'atomes, oxygène et carbone. Donc, c'est un corps pur composé et aussi pour l'eau, c'est un corps pur composé. La masse de la molécule pour CH4, la masse de la molécule égale la masse de carbone plus 4 fois la masse d'hydrogène, qui est égale 2,68 10 exposant moins 26 kg. Pour le dioxygène, c'est 5,33 10 exposant moins 26 kg. Et pour le dioxyde de carbone, c'est 7,32 fois 10 exposant moins 26, qui est égal à la masse de carbone plus 2 fois la masse d'oxygène. Et pour l'eau, on a 3 fois 10 exposant moins 26 kg. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Si vous n'hésitez pas de nous laisser un commentaire si vous avez des choses non claires. Et nous préparerons des vidéos dans le but de les expliquer. Merci une autre fois pour votre attention.